En Algérie, une ONG installe une tente dans le quartier de Bab El Oued à Alger pour offrir plus de 1300 repas aux nécessiteux afin qu'ils puissent rompre le jeûne pendant le mois sacré du Ramadan. J'amène toujours ma fille avec moi parce qu'elle aime être volontaire pour ce genre d'initiative. Elle aime m'accompagner moi, mais aussi les autres en cuisine, c'est du travail humanitaire. C'est bien qu'elle grandisse avec ses valeurs. Des plats à emporter sont préparés pour ceux qui ne souhaitent pas manger sur place et profiter du repas en famille dans le confort de leur foyer. Mais pour cette année, on a remarqué qu'il y a beaucoup de familles qui sont venues pour qu'ils iftarouhna yam'ana. Et on trouve ça, c'est à cause de Corona, que les familles ou les pères de famille se trouvent sans boulot, sans travail. Je viens ici depuis le début du Ramadan. J'ai des amis ici qui m'accueillent et j'aime l'ambiance. J'aime bien le mouvement comme ça. Depuis le soulèvement du mouvement contestataire, le Irak, il y a 2 ans, l'Algérie est frappée par un taux de chômage élevé et une flambée des prix. Des pénuries viennent s'ajouter à une crise économique liée entre autres à la baisse des revenus pétroliers.